Jas, je m'en dédouane complètement, de accusation à l'encontre de Dylan Thierry. Dylan Thierry, le candidat de télé-réalité qui a récemment fait les gros titres pour ses propos choquants, a présenté ses excuses publiques à Jas Correa. Cette dernière avait accusé Dylan Thierry de vouloir la piéger et de soutirer de l'argent à elle et son compagnon afin qu'il puisse adopter un enfant. Jas Correa, qui est enceinte de son quatrième enfant, a déclaré que cette histoire l'avait profondément choquée. Depuis plusieurs jours, les déclarations de Dylan ont suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Boba a en effet partagé des enregistrements dans lesquels Dylan Thierry explique qu'il souhaite se lancer dans un business de proxénétisme sur main. Dans un autre enregistrement, toujours divulgué par Boba, l'influenceur admet avoir eu un plan pour arnaquer Jas et son compagnon, Laurent Correa. Jas Correa a récemment contacté Dylan pour lui parler de son projet d'adoption. L'influenceur, qui est très impliqué dans les œuvres humanitaires, semblait être la personne idéale pour l'aider dans ses démarches. Cependant, dans l'enregistrement publié par Boba, Dylan Thierry est entendu en train de demander plus de 100 000 euros à Jas pour qu'elle puisse adopter un enfant. Cette demande a profondément choqué Jas Correa, qui a immédiatement dénoncé les propos de Dylan. Après avoir été vivement critiqué sur les réseaux sociaux, Thierry a présenté ses excuses à Jas Correa. Dans une story Instagram, il a déclaré vouloir assumer ses fautes vis-à-vis de Jas, déjà parce qu'elle s'est retrouvée dans une sauce qu'elle ne méritait pas et parce qu'elle n'avait rien à voir là-dedans avec ses propos. Il a notifié le fait que Jas soit enceinte et expliqué que ce n'est donc pas le moment pour qu'elle se retrouve dans des polémiques comme ça, qui ne la concernent pas du tout. Dylan a ensuite ajouté qu'il s'excuse en public. Bien que Dylan Thierry ait présenté ses excuses, Jas Correa a déclaré qu'elle était toujours choquée par ses propos. Dans une vidéo publiée sur Instagram, elle a déclaré être autant surprise que les internautes. Elle confie n'avoir jamais entendu de tels propos. La maman de Chelsea explique vouloir adopter un enfant depuis plusieurs années, mais que cela a été compliqué. Sachant que Dylan a une association, elle se rapproche de lui pour lui demander s'il connaît une association pour adopter. Thierry lui dit qu'il va se renseigner et après lui sort de tels propos. Jas affirme ne pas être concernée par les propos de Dylan Thierry. Elle a ensuite ajouté « Je m'en dédouane complètement. Point. » En présentant ses excuses à Jas Correa, Dylan Thierry espère mettre fin à cette polémique. Cependant, il est peu probable que ses excuses suffisent à convaincre tous ceux qui ont été choqués par ses propos. Dylan Thierry est encore dans une situation difficile. Les déclarations que Dylan a faites ont suscité l'inquiétude des députés Stéphane Vojetta et son collègue Arthur Delaporte.